et au bord du monde. Une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Cassandra, je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais morte. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ta fille. Cassandra, viens, approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille. Chez nous. Ma seule famille est mon épée. Et mon foyer, le champ de bataille. Je t'ai promis de la ramener, mère. Mais le culte lui a empoisonné l'esprit. Tu as promis de me ramener, c'est ça? Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère? De quelle vérité parles-tu? Que je suis l'élu! Celle qui a une destinée! Je vais imposer l'ordre à ce monde! Toi, tu n'es qu'un mercenaire. À la lance brisée. Tu n'as pas de destinée. Tu n'es rien d'autre qu'un instrument du culte. Merci d'avoir dit ça. Depuis notre rencontre, j'essaie de déterminer ce que tu es pour moi. Tu es une mauvaise herbe qui menace d'étouffer et de détruire tout ce que j'ai semé. Et pour détruire une mauvaise herbe, il faut la déraciner. Cassandra! Quand j'étais petite, j'ai trouvé un lionceau pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissante, la lionne mettre mon pauvre ami en pièces. Chez les bêtes, une famille protège ses petits. Je t'ai aimé. Je t'aime toujours. Celle que tu aimes est morte. Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Cassandra. Écoute-moi, tu es ma sœur. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais je n'échouerai plus jamais. J'ai fait la bonne et j'ai fait l'histoire du bon côté, d'accord? Alors, je vais d'abord mettre de la musique parce que ça a l'air touchant. Hop, faible.
des choses abominables. Comme nous tous, Cassandra. Alexios, attends. Merci. La lance, elle, vous avez vu que la lance n'a pas encore n'a pas changé. Elle est toujours là où on l'a laissée. Elle est toujours la fameuse lance brisée. Elle n'a pas évolué du tout. On l'a évolué au niveau 4 ou 5 ou je sais pas. Et elle n'a pas changé. J'arrive pas à croire que les réalisateurs du jeu nous demandent d'améliorer la lance. Enfin, nous a pas demandé, nous a recommandé d'améliorer la lance dans la quête. Et elle n'a toujours pas été. Et dans les cinématiques, elle n'est toujours pas comme nous l'avions améliorée. C'est une vraie catastrophe pour moi. Hein? Pour vous, c'est pas la plus grave, mais pour moi, c'est pas normal. Alors ça y est, ouais, wouhou, on a de Cassandra, Deimos est maintenant avec nous. Deimos est maintenant avec nous, yeah. Attendez. Le fantôme me... Quoi? Le fantôme ment? Main avec un T ou c'est un I ou c'est un T, parce que moi je vois pas d'ici. En fait c'est un propre. En fait je suis avec des lunettes. Je suis avec. Je suis le fantôme ment. Il ment à chaque fois. Ça veut dire que c'est une fille. Enfin, ça veut dire que c'est une fille. Enfin une femme. Oui, une femme. Qui a été trahie par ses sages et toutes les adeptes. Soit c'est elle qui contrôle encore tout cela. Alors, d'abord inventaire, je vais maintenant mettre le... Oh ouais! Ça fait du bien d'avoir la tenue. J'en rêvais. J'aime beaucoup. Alors, on va voir ce que ça fait. Ce que ça donne, je veux dire.
Et son casque. Ouais. Vous savez que c'est un peu comme celle où Alexios est Deimos. Où on dirait que Alexios est Deimos, ouais. Ouais, on dirait Alexios est Deimos. Ça veut dire que si ça c'est une armure d'un dieu légendaire et qu'il a été laissé ici, qu'il a été laissé ici dans la Grèce et que Cassandra l'a eu, ça veut dire qu'elle a eu une épreuve. Et voilà l'épée de Deimos. Je crois que c'est un artefact. Alors, épée de Deimos. Ah non, épée de Daimoclès. Daimoclès. D'un demi-dieu. Donc, Damoclès était un demi-dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, ça va faire fort, hein, les gars. Donc, y a quoi la fin? Ah. Dîner spartiate. Après toutes ces luttes et ces tensions, Alexios trouve enfin un peu de temps pour lui. Pour se détendre, il prit un repas dans un lieu inattendu, la maison de son enfance, à Sparte. Mais on va pas je ne vais pas encore faire le mode histoire. Donc comme c'était rapide. Période de formation. On va faire une quête annexe. Quête annexe. Ah bah c'est ça. Ah non, moi je n'ai pas l'héritage des souvenirs, donc quête d'univers personnalisé. Non, je veux dire quête de personnage. Alors, Toison d'ours. Peut-être à cause de son périple, peut-être parce qu'il était d'humeur violente, ce jour-là, Alexios mena à bien une tâche sans même le savoir. Il ne lui reste qu'à aller chercher sa paye. C'est où ma paye? Parler à l'herboriste. Et qui est l'herboriste? Non, parce que je dis ça parce que je sais pas qui c'est. Attendez, l'objectif de quête c'est où? Elis. Ah, Elis. Et Elis. Attendez, il est. Ça, c'est un membre du culte qui est trop fort pour moi. Donc je vais attendre encore un peu. Hmm.
J'aime bien cette musique là. Elle est antique, c'est d'Assassin's Creed. Le 1 et le 2. C'est, enfin non, c'est du 1. Non, du 2 je veux dire, parce que le 1, ça a pas encore, c'était pas encore le... Alors, Elise. Ilius, c'est-il, Elise? Ah bah il était là. Ok. Et le... Et il... Ah, il est là-bas aussi. Il est là, il est là-bas. D'accord. Je vais faire un... Après, je ferai des parties de vidéo sans micro. Dans des vidéos, je fais pendant le week-end, parce que demain c'est le week-end. Je ferai des vidéos, mais pas trop. Juste des vidéos par des vidéos de comment je gère les énigmes. Vous savez les monstres les bêtes mythiques de Assassin's Creed, là où il faut cacher l'Atlantide. Bah c'est ça qu'il faut, bah, c'est ça qu'il faut faire avant de compléter totalement la mission. Et je vais garder cette tenue. Elle me plaît trop cette tenue. Je vais sur inventaire et supprimer le... Voilà. Et dommage qu'il n'y a pas de... Et dommage qu'il n'y a pas pour pour conquérant. Je veux parler de... Je vais parler du casque avec la tenue de demi-dieu. Je voulais savoir s'il n'y a pas de casque de demi-dieu, mais bon, c'est pas grave. Donc. Allons-y. En fait, c'est où? Je suis le losange jaune. Je suis l'icône d'objectif. Et j'ai remarqué dans mes vidéos, j'ai un peu la voix aiguë. C'est ma façon de parler, bien sûr, mais je parle pas comme ça en vrai. Si? Enfin, en vrai, je parle gravement, avec la voix, j'ai la voix grave. En fait, pour ceux qui n'aiment pas mes vidéos, vous pouvez vous pouvez faire un dislike, hein. C'est pour moi, c'est pas grave. Que vous faites un dislike ou pas un dislike, ça me... Que vous faites un like ou un dislike, pouce à l'envers, pouce bleu ou pouce rouge. Enfin non, je vais dire pouce bleu. Pouce bleu à l'endroit et pouce bleu à l'envers. Moi, ça me...
Moi ça me dérange pas. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas décrit le like en pouce bleu. Ah ouais, ça fait longtemps. Parce qu'à l'époque, quand moi je parlais traduire portugais, qu'il faut toujours que je parle qu'il faut que je règle ça, parce que, ben, qu'il faut que je fasse une vidéo en parlant portugais. Je savais pas comment je pouvais décrire le pouce bleu. Alors j'ai dit like. C'est pour ça que dans mes vidéos j'ai dit liker. C'est pouce bleu. Alors je sais que je sais que si vous avez des autres vidéos que vous aimez et que vous mettez en like, ça va dans votre playlist de j'aime. La playlist qui écrit j'aime. Eh ben, c'est pas. Eh ben, vous avez qu'à. Eh ben, si vous voulez revoir mes chaînes, mes vidéos, eh ben, vous pouvez garder le. Vous pouvez enregistrer le ma playlist en appuyant sur la. Sur là où il y a écrit enregistré. Ou le symbole est enregistré de votre console sur YouTube. Enfin, de votre YouTube sur console. Allez, je laisse et je vous retrouve après. Je peux t'aider, guérisseuse ? J'ai entendu dire que tu détestais les chauves. Pardon ? Ce n'est rien. Moi aussi, je les déteste. Cet Hippocrate est laid comme un bouc. Je ne déteste pas les chevaux. Je ne déteste pas les chevaux. Je les aime bien, les chevaux. Pourquoi Alexios Pourquoi Alexios détesterait-il, et je l'ai dit correctement, les chevaux? C'est pas... Chauve ou pas, Hippocrate est quelqu'un de bien. Il ne faut pas le juger sur son absence de cheveux. Peu importe sa bonté, il ne devrait pas être chauve. Mais j'ai un remède qui n'est pas à base d'herbe. Et qu'est-ce que c'est? C'est la calvitie d'Hippocrate qui m'en a donné l'idée. Tu sais ce qui pourrait remplacer les cheveux? Des poils d'ours. Si tous les ours de la région tombaient raides morts, je pourrais guérir tous les chauves. Tu veux que je trouve et que je tue tous ces ours? Puis-je compter sur toi? Bon, tu peux cesser de t'inquiéter. Par Zeus, merci. Attends un peu. J'ai compris chevaux. Et elle a dit cheveux. Les cheveux d'Hippocrate. Le médecin. Le médecin athénien. C'est vrai qu'il est chauve, mais il faut pas abuser non plus. Il faut pas dire lait et il faut pas être raciste. Moi je suis pas raciste des chauves. D'ailleurs, s'il y a une chose dans ma personnalité que je veux être, c'est être chauve. Parce que j'ai la barbe. Ma barbe, c'est bon. Ma barbe, je veux pas. Je veux avoir une barbe. Mais des cheveux qui poussent encore et encore, ça me
dérange un peu. Parce que... Moi, parce que... ça grandit vite les cheveux, hein. Trois jours après que vous êtes... coupé les cheveux au coiffeur, les cheveux, ils repoussent déjà. Alors moi... moi, je suis pas raciste des cheveux... Des cheveux. Enfin, moi, je suis pas raciste des chauves. Au moins, je vais être un chauve. Parce que... Me coiffer tous les matins... Enfin, presque tous les matins, parce que moi, je suis... Parce que moi, la plupart du temps, je suis chez moi. Et je me coiffe pas. Et je soigne pas mes cheveux. Mais... Me coiffer... À chaque fois que je vois des pétards, des cheveux en pétard, ça m'énerve. Ça arrête pas de se mettre en pétard. Et ça m'énerve. Mais bon, je vais proposer de... Non. Elle est médecin, moi, enfin, si. Cette vie ne te mènera pas loin. Mais une autre t'attend à bord de mon navire. Rejoins-nous. On cherche quelqu'un comme toi. Merci de ta proposition, Mystios. Mais il n'est pas facile de cueillir des herbes en mer. Bien. Nous nous reverrons peut-être, si Poséidon le décide. Je le savais. Je le savais. En fait, des poils... En fait, il faut que j'ai des poils d'ours pour... En fait, il faudra que j'ai des poils d'ours pour faire des cheveux à Hippocrate. Et c'est n'importe quoi, les ours noirs pour en faire les poils des ours noirs pour en faire des cheveux, ça je peux comprendre, mais je n'aime pas faire de mal aux animaux, sauf dans ce jeu. Dans la vraie vie, pas question que je chasse le moindre animal sauvage. Je veux être avec un zoo, moi. Je veux travailler dans un zoo, moi. Pas dans un travail de anti-animal. Donc, qu'est-ce que... Ah, l'ancien roi perse. L'aveugle. Et ça, c'est le Minotaure. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Ciao les gars.